L'espace Sud aménage votre avenir. Eh bien, on se retrouve justement en plein cœur de ce salon avec aujourd'hui Guillaume Bissot. Guillaume est le fondateur et le créateur peut-être aussi d'ailleurs des barbecue donuts boats, donc ces bateaux flottants. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, quels sont ces bateaux ? Alors, ce sont des bateaux donc en forme de donut, d'où le nom BBQ Donut Boat, donc qui permettent de partager donc un barbecue en pleine mer, donc d'une capacité de 10 personnes. Et ils se louent bien entendu sans permis et l'accent est mis sur la convivialité. Alors, ils s'appellent donut parce qu'ils sont ronds avec un trou au milieu, mais on coule pas. Non, pas du tout. Non, c'est insubmersible. D'ailleurs, c'est un polyéthylène haute densité, donc insubmersible. Alors, moi je l'ai vu le bateau, hein, donc on va déjà leur en dire un petit peu plus puisque je l'ai vu. Donc ce bateau, donc, il est rond avec des gros rebords de sécurité et puis il y a un barbecue quelque part. Exactement, tout à fait. Donc il y a un barbecue en plein milieu de la table. Le concepteur, donc, qui est allemand, donc qui n'est pas moi, a étudié justement la forme la plus à même de partager un repas en toute convivialité. Du coup, c'est la forme ronde. On a justement ce barbecue qui est en plein milieu donc, du donut et qui permet à 10 convives, donc maximum, partager un repas au milieu et un barbecue. Donc on a la possibilité également de naviguer de nuit comme de jour et de remplacer le barbecue par un bac à glace pour partir prendre l'apéro en pleine mer. Donc c'est impressionnant quand même, 10 personnes à bord, un barbecue, donc du feu, des risques, une motorisation qui permet d'y aller sans permis, est-ce bien raisonnable tout ça ? Tout à fait, ben justement la motorisation qui est de 6 chevaux est donc la limite légale pour naviguer sans permis. Donc bien entendu les clients ne sont pas laissés à l'abandon, donc ils ont une carte qui leur permet de se repérer dans la baie. Il y a également un contact à l'aide d'un talkie-walkie et puis bien entendu il y a tout ce qui est en matière de sécurité, donc les gilets de sauvetage et puis l'armement de sécurité, un extincteur. Donc en fait il faut savoir que le barbecue est entièrement sécurisé et je dis bien c'est un barbecue au charbon, donc, mais on utilise un charbon qui n'émane pas justement de flammes ni de fumée. Ah d'accord, c'est un charbon pas de bois, donc c'est un charbon spécial. Si, c'est un charbon compact, on appelle ça un charbon compact. Donc il y a plusieurs matières, donc il y en a à base de noix de coco. Compose de noix de coco, mais également charbon de bois. Mais étudié justement, donc ce sont des charbons écologiques qui sont étudiés pour ne pas diffuser de flammes pour une sécurité optimale. Dites-moi, combien ça coûte une journée pour louer ce bateau ? Y a-t-il des prix, tiens d'ailleurs, pendant ce salon ? Alors, nous avons plusieurs formules. Il y a la formule donc à la journée, donc à 350 €, donc le donut, donc pour jusqu'à 10 personnes, ce qui revient à peu près à 35 € par personne pour passer une excellente journée donc en mer, profiter d'un barbecue, de la musique entre amis, en famille. On a également la demi-journée à 180 € et également le soir. Donc il faut savoir qu'on peut naviguer de nuit. On a une petite télécommande qui permet justement de changer d'ambiance lumineuse et de partir dans la baie en toute sécurité et profiter de l'apéro ou même d'un menu traiteur qu'on propose en complément. Je vais reposer la question, il y a un prix pendant le salon ? Oui, il y a un prix pendant le salon. Bon, faut venir vous voir, quoi, c'est ça ? Vous avez tout compris, vous pouvez venir nous voir au quai numéro 4. Bon, écoutez, Guillaume, je crois que vous venez de commencer votre entreprise il y a quelques mois. On va vous souhaiter vraiment une belle aventure avec vos donuts. Eh bien, merci. Ben, écoutez, quand il fait beau, ça marche très bien. Donc, espérons que le temps soit clément pendant toute la saison. Pour l'instant, il est là. Bon courage, Guillaume, et merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Au revoir.